Salut à tous, aujourd'hui je réalise le projet le plus ambitieux de ma chaîne, quelque chose qui n'a jamais été fait au monde, sortir l'iPhone 12 avant Apple. Vous savez, nous les youtubeurs, on dit souvent que les commentaires méchants ne nous atteignent pas. C'est faux. Il suffit d'un commentaire pas très cool pour que tu retiennes que celui-là. Alors que l'inverse n'est pas vrai. On est tellement habitué à recevoir beaucoup de commentaires positifs qu'il en faut vraiment énormément pour que tu te dises « Ah ouais, là j'ai fait un truc qu'ils ont vraiment aimé ». C'est ce qui s'est passé avec la vidéo du mini PC. Le soir même, j'étais tellement content des retours que vous m'avez fait que j'ai fait une connerie. J'ai commandé un iPhone 11 Pro pour le transformer en iPhone 12 sans même savoir si j'allais réussir. Sans déconner, pendant ce projet, j'ai plusieurs fois été à deux doigts de perdre 1000€, soit le prix du téléphone, et de jamais sortir la vidéo. Mais vous le savez, il faut jamais abandonner. Je voulais vraiment faire sponsoriser cette vidéo par RhinoShield parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, et donc un grand merci à eux d'avoir accepté. Vous le savez, si vous voulez protéger votre téléphone, c'est vraiment des super coques. Dans une précédente vidéo, on avait carrément guillotiné un iPhone et il a survécu. Quoi ? Regardez la gueule de la lame. Et ça, c'est aussi grâce à leur protection d'écran, dont eux seuls ont le secret. Donc autant vous dire que s'il n'y a pas de problème avec une guillotine, il n'y aura vraiment aucun problème avec les chutes du quotidien. Je vous ai aussi montré toute la technologie qu'il y a derrière la fabrication de ces coques, donc foncez voir la vidéo si c'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vous donne un code promo qui vous fait moins 15% sur tout leur site pendant 2 semaines. Hop hop hop, attendez, finalement c'est moins 20% pendant 48 heures, alors dépêchez-vous. Et grâce à ça, vous casserez pas votre téléphone cet été. On peut personnaliser les coques avec plein de petites pièces qui sont interchangeables. Et justement, à propos de personnalisation, ils ont sorti une nouvelle collection avec des designs approuvés par la NASA et une collection Naruto. En vrai, je vous conseille de faire comme moi, je mets une protection intégrale quand je bricole et que j'ai vraiment des chances de casser mon téléphone, et un bumper le reste du temps parce que voilà, j'aime bien avoir cette sensation de toucher le téléphone. Ça marche pour plein de marques de téléphones et même les Apple Watch et les AirPods, où là tu peux encore interchanger les couleurs et personnaliser au maximum. Je vous l'avais déjà dit, mais ça fait des années que j'achète ces coques et personnellement, je n'ai jamais cassé de téléphone. Place à la fabrication de l'iPhone 12. Comme tous les ans, on a droit à quelques fuites sur les prochains iPhones. Cette année, ce qui ressorti, c'est qu'on aurait un design avec des côtés un peu moins arrondis, comme ce qu'on retrouvait sur les iPhone 4, 5, etc. Et surtout, il y aurait 4 caméras à l'arrière. Enfin, c'est pas vraiment 4 caméras, c'est 3 caméras et un capteur LiDAR, qui est déjà utilisé sur les iPads, notamment pour la réalité augmentée. Sur l'iPhone 11 Pro, on a 3 capteurs vidéo, mais on n'a pas de LiDAR. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. En découpant l'un des 3 capteurs, parce qu'en fait ils sont attachés ensemble, on va pouvoir le replacer un petit peu plus bas, et ainsi avoir la place de rajouter un faux capteur LiDAR. Pour ce qui est du design de l'iPhone, il faut tout refaire, donc on démonte ça et on garde uniquement les composants. On retire le module avec les 3 caméras, le haut-parleur, la caméra frontale et le système de reconnaissance faciale, et on peut enfin enlever la carte mère. C'est incroyable de se dire que toute la puissance de l'iPhone est contenue dans cette toute petite carte. Et voici le Taptic Engine, c'est pas un simple moteur vibrant comme dans pas mal de téléphones, là c'est une série de bobines avec des aimants, et c'est vrai que la vibration des iPhones est très particulière. Il reste plus qu'à retirer la batterie, je vous laisse avec cette petite séquence ASMR. No, God, please, no! Voici la modélisation 3D du design que j'ai imaginé. Il y a certaines pièces que je vais devoir faire en aluminium, d'autres en PLA, donc c'est-à-dire imprimé en 3D. Et le dos du téléphone en polycarbonate, c'est un peu comme du plexiglas, parce que j'ai pas la possibilité de travailler le verre. J'ai quand même voulu rajouter quelque chose d'un peu futuriste, un smart connector. Pour l'instant, les iPhones ont un port Lightning, ça ressemble à ça. Le standard actuel des autres smartphones, c'est plutôt l'USB-C. Et d'ailleurs, c'est trop cool d'avoir une seule prise pour tous les appareils. Mais j'espère que les iPhones ne passeront jamais à l'USB-C. Le Lightning est selon moi un connecteur bien mieux pensé. La prise mâle est un simple rectangle bien solide qui s'insère parfaitement dans la prise femelle, qui est rien de plus qu'un trou. Et elle est solidement accrochée par 2 ergots de chaque côté, ce qui fait que la prise tient vraiment bien. L'USB-C en fait c'est un mâle qui cache une femelle à l'intérieur. Donc là du côté femelle on a un trou qui cache un mâle à l'intérieur, ce qui crée forcément plus de fragilité. Bref, je m'égare, mais voilà pourquoi je préfère le Lightning. Mais est-ce que pour autant c'est le futur? Bah je pense pas. Tout le monde a insulté Apple quand ils ont retiré la prise jack de leur téléphone, et un an plus tard tous les constructeurs faisaient pareil. Le mieux, ce serait un téléphone sans aucun port. Ça fait un truc en moins qui peut se casser et il n'y a pas de poussière ou d'eau qui peut rentrer dans le téléphone. On utiliserait la recharge sans fil ou un smart connector.
d'accord? Comme il y a actuellement sur les iPads, mais avec plus de pins, parce que ça n'aurait pas la même fonction. C'est donc ce que je vais mettre dans cet iPhone 12, même si ça m'étonnerait que ça arrive cette année chez Apple. Allez, on allume Josette et on usine les différentes pièces. On commence par le module caméra. Une fois qu'il est terminé, il faut le polir pour avoir une pièce vraiment brillante. J'ai acheté des vitres de remplacement pour les caméras de l'iPhone 11 Pro et j'en ai peint une en noir pour le capteur LiDAR. On passe au contour. Il faut savoir que sur le contour des téléphones qui sont faits en métal, on retrouve des petites bandes en plastique, c'est pour isoler les différentes parties, qui sont en fait les antennes du téléphone. C'est beaucoup trop compliqué pour moi de reproduire ça avec les machines que j'ai, donc on va devoir faire tout le contour en une seule pièce. Forcément, le téléphone captera jamais aussi bien qu'avant, et même comme ça, ça va être une pièce super compliquée à faire parce qu'elle est très fine et elle a beaucoup de détails. Pour le fond, je l'ai fait avec une plaque de polycarbonate de 1 mm, j'ai pas trouvé plus fin. J'ai essayé d'imiter un petit peu ce qu'il y a sur les iPhones en faisant un dôme mat, en propulsant du bicarbonate dessous dessus avec un pistolet de sablage. Après ça, on n'aura plus qu'à enlever les autocollants et la pomme apparaîtra. Enfin, on a quelques pièces à imprimer en 3D. Maintenant qu'on a toutes les pièces, le plus dur reste encore à faire, il faut tout assembler. J'ai utilisé un filtre à café en inox pour imiter le grillage qu'on retrouve sur les haut-parleurs et sur le micro avant. Les boutons, c'est une belle galère, ils sont pas du tout faits pour être démontés du châssis, notamment parce qu'ils ont des petits joints d'étanchéité, donc j'ai tout fait pour les conserver au maximum, mais c'est pas évident à remettre sur le nouveau châssis. Pour le smart connector, j'ai acheté ce qu'on appelle des pogo pins. J'avais découvert ça quand j'étais allé en Chine et je l'ai déjà utilisé dans un précédent projet. Je sais pas si vous vous souvenez lequel, c'est des connecteurs à ressort. Sauf que là, c'est vraiment la version la plus petite que j'ai trouvée. Il suffit de les souder à la prise Lightning et de les insérer dans une pièce imprimée en 3D. J'y ai ajouté des aimants de pôle opposé de chaque côté pour qu'il y ait un sens de branchement. J'ai coupé le dessus de la prise Lightning pour y souder le smart connector. Mon smart connector est vraiment pas aussi beau que ce que pourrait faire Apple, mais en vrai ça passe. On peut maintenant refermer le téléphone. Je suis dégoûté, c'était à deux doigts d'être parfait, mais de ce côté, la peinture s'est accrochée à la colle, et donc s'est détachée de la plaque arrière de l'iPhone, ce qui fait deux petites imperfections.
Voilà, c'est fait, on a un iPhone 12, le premier au monde. Tout fonctionne encore, que ce soit Face ID ou les trois capteurs photo. J'étais étonné parce que même en déplaçant un capteur, la transition entre les objectifs est toujours bien gérée par le logiciel. Évidemment, le Smart Connector est opérationnel. Évidemment, j'ai aussi fait le câble du Smart Connector en partant d'un câble Lightning classique. Seul problème, j'ai pas réussi à souder la carte qui permet au câble d'être reconnu par l'iPhone. Donc sans ça, mon câble fonctionne pas. Mais vraiment, c'était des soudures ultra petites. Et en plus de ça, sur plusieurs couches. Donc c'est vraiment impossible à faire à la main, même avec mon microscope. C'est pas très grave parce qu'on peut toujours utiliser la recharge par induction. Si ce projet un peu fou t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Protège ton téléphone avec une coque Rhino Shield et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !